Coucou tout le monde, voilà, à midi et demi, c'est toujours pas passé. Mal de rein. Hein? Oui. Bon, alors, coup de chauffe sur le dos, encore une fois. J'ai carrément pris deux kétones. Ah oui, non, mais là, il faut que ça se passe. Donc. Ah oui, non, mais ça prend la poussière à une vitesse ici. Ah non, mais. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon imprimante. Ma plastifieuse, mon imprimante. Ouais, aïe, aïe, ça va plus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pas fini mon épisode classement de classeur d'embossage à froid. Et j'en ai marre. Voilà, faut que ça se termine. Non, mais j'ai pas fini encore. Non, 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 non. Hop, on écarte les fils. Alors, malgré la douleur, hein, je bosse. Je bosse, je bosse. Et puis, j'aimerais bien qu'on m'aide à mettre cette fichue table, que ce soit une vraie scrap room. Alors, lunettes. Lunettes, lunettes. Oui, ça va. Donc, je m'en suis préparé plein. Hein. Voilà, au moins 5. Ben c'est ça. Donc. Donc. Alors, on va rouvrir. Ah oui, là, c'est une de chaque action en jaune et rouge. Ben, fallait au moins ça, hein. Donc, faut peut-être allumer la plastifieuse. Allez, démarre cocotte. Ça me laisse le temps de sortir. Alors, celles-là sont plus fines que celles de chez Action. Mes feuilles plastifieuses sont ultra fines. Alors, je mets de ce côté-là, oui. Ah oui, mais il faut que je fasse le bidule truc. Alors, le bidule truc, je vais vous montrer. Ah oui, ouais, bah oui, je me sers encore de mes jambes. Oui. Alors, le bidule truc, on le met là au milieu. Alors, si j'y arrive, sans bouger. Et d'un côté, et je ne sais pas ce que ça a donné sur les autres, faut 6 cm à peu près, j'avais calculé, je crois. Ah oui, non, mais c'est du sérieux là. 6 cm à partir du bord. Donc, là, je vais me faire un repère. Donc là, si la mine est sortie, ça serait pas mal. Donc là. Voilà. Alors, un tout petit repère qui sera enlevé par la suite. Je me passe bien au milieu. Voilà. Déjà ça. Hop là. Ensuite, ciseaux. Ciseaux, ciseaux. Hop là, vous avez vu? Arbre à boule dans la vallée chinoise. Donc, plastifieuse. Oh, mais je suis tout en allant parce que sinon, je ne vais pas tout faire d'un seul coup. Hein?
Elle me dit qu'elle est prête, la plastifieuse. Moi, je suis pas prête. Alors. Voilà. Je suis alignée. Et normalement, je suis droite. C'est bien normalement. Oui, j'ai l'air d'être droite. Pour une fois, dis donc, j'ai eu le compas dans l'œil. Je suis droite. Donc, il n'y a pas de problème pour plastifier à ce niveau-là. Et il va falloir que j'avance la plastifieuse. J'ai pas besoin de beaucoup de place, hein. Non, non, non. Plastifié et là je vois là et là hein, que il y a besoin d'un deuxième passage, donc deuxième passage s'il te plaît la plastifieuse, tu vas me plastifier ça comme il faut. Si je vous sors la A3, j'ai pas fini parce que la A3 prend de la place. Alors, tout ça en me chauffant le dos. Oui. Ah oui. Mais je crois que je vais racheter des feuilles de chez Action parce que celle-ci, je suis obligée de les passer deux fois. Celle de chez Action, non. Et bon, celles-ci sont beaucoup plus brillantes. Et voilà, c'est plastifié comme il faut. Ensuite. Ben, Massico, alors les Massico ils sont là. Massico, on va enlever ce qui dépasse là, donc à peu près ça. Hop là. Ensuite, je suis droite, c'est bon. Je vais faire un angle ici, un côté droit. Donc, vous voyez, je retire petit à petit. Je me base sur l'angle que j'ai fait de l'autre côté. Je vais limiter, hop là, ma coupe. Donc, je me base un peu près
sur 0,6. Moi, je l'ai fait au départ. Je vais couper. Et hop là. Jusque là. Pour rejoindre ma coupe. Hop. Là. Ce qui me donne ceci. Voilà. Là, pourquoi j'ai laissé mon imprimante chauffer. Tout simplement pour repasser dans la plastifieuse pour que ça marque le pli comme les tutos de YouTube. Ah oui, j'aime pas que ça traîne sur le plan de travail. Donc ce qui me replastifie de l'autre côté. Je vous le fais qu'une fois parce que là pour les 5 vous allez dire non mais c'est trop long. Alors là elle est pas bien plastifiée, il y a encore trop d'écart, donc hop, je change de côté et je la remets. Je peux vous dire que là mon dos il est en train de se soulager. Et c'est pas trop tôt. Parce que tenir pendant 6 heures comme ça, eh ben c'est pas du gâteau. Hein. Et la mouche, tu t'en vas. Et là, eh ben il y a besoin d'un coup de. Mon plioir. Ah. C'est toujours quand on cherche les choses qu'on ne les trouve pas. Où est-ce que j'ai mis mon fichu plioir? Alors là. Ah, il est là. De l'avoir hein. Donc plioir hein, mais je l'aurai hein, parce que c'est pas une feuille qui va me résister. On va recommencer. Non, parce qu'avec les autres ça l'a pas fait. Bon, ben, elle veut pas. Hein. C'est point grave. Je ferai que celle-là, je m'en servirai plus. Donc, hop. De toute façon, voilà. On va la laisser. Hop. Refroidir à plat. La plus grande, évidemment, c'est encore la même. Le même papier. Non, celui-là, je le ferai en dernier. Hein. Basta. Donc, voilà. Ah, pour côté imprimante. Oui, non, mais si je me regarde avec les lunettes de près, de loin, ça le fait pas. Bon, je vais l'arrêter. J'ai eu ma dose. Je fais une pause et ça rime comme d'hab.
Oui, non, mais ah, celle-là, elle est résistante. Vous m'étonnez que j'ai du mal à faire mon classement. Ça prend un temps fou, ce truc-là. Vous savez quoi? Je crois que je vais me reposer plutôt. Hein? Plutôt. Et elles sont tellement vieilles, ces feuilles d'imprimante, ce carton, il est déchiqueté de partout. L'état du carton. Ça, celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. Eh ben, les feuilles sont bien. Mais alors, l'état du carton, ah, il dure pas dans le temps. Hein. J'ai l'arrière à rescotcher. Oui, non, mais quand ça me prend que j'en ai ras la casquette, c'est que j'en ai ras la casquette. Bah, je vous mettrai la photo de ce que j'ai commandé sur AliExpress ce matin. Et puis voilà. Bah, pour le prix, c'est des beaux trucs. Franchement, bah, j'ai juste à attendre. Donc, je patiente. Maintenant, j'arrive à patienter. Avant, je voulais tout tout de suite. Puis quand je vais à Action, je suis là à prendre des trucs, à reposer. Est-ce que j'en ai réellement besoin? J'ai vu la pince à bouton pression. Il n'y en avait plus qu'une. J'ai vu le prix, j'ai dit, ah, t'en as déjà une. Tu vas pas prendre celle-là, surtout qu'elle fait pas les cœurs et tout ça. Donc j'ai pas pris. Ah oui, non, mais j'arrive à être sérieuse de temps en temps. Ça y est, je prends le coup. Là, les pinceaux à aquarelle. Je ne sais plus où sont les autres. J'en avais deux. Soit ils sont dans le capharnaüm de la pièce de la Scrapbook 1. Soit bah, ils sont atterris à la poubelle. Mais bon, j'ai toujours. En fait, tout ce qui était chinois que m'avait offert ma mère, je ne sais plus où c'est. Ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 30 ans. Donc, voilà. En fait, je ne m'étais pas mise à l'aquarelle parce que je n'y arrivais pas. Et puis, en apprenant. Le nail art, maintenant j'y arrive. Pourquoi? Parce que j'ai appris à prendre de la couleur que d'un seul côté du pinceau. Quand c'est des pinceaux rectangulaires. Et j'arrive à faire les délimitations extérieures de l'aquarelle en une seule fois. Oui.
j'ai pas besoin de repasser pour faire des tâches. Donc voilà. J'ai rajouté quelque chose au mini. Bon, je sais que ça va pas couper du départ, mais j'ai mis une lame plioire. Voilà. Ah bah oui, je me suis dit, attends, c'est fichu l'autre. Il te reste un plioir. Voilà, j'ai mis un plioir sur le. Alors, sachant que. Sachant qu'il va falloir retirer une lame pour plier ou couper. Voilà. Mais j'ai eu cette idée-là. Donc si ça vous dit, hein, n'hésitez pas. Ça vous sert aussi de plioir. Voilà. Une petite astuce que j'ai trouvée. Je me suis dit, tiens. Qu'à faire. Alors excusez-moi si je tousse, mais j'ai des crises d'allergie depuis ce matin. Pardon. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose de très fort. C'est rien qu'allergique. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. Alors, je suis désolée si j'avale ma salive parce que là, c'est l'allergie, elle part de là. J'ai dû être très gênée, puis rester trop longtemps sans antihistaminique. Et ben ça fait que voilà quoi. Donc je sens que c'est pas fini, donc je vais vous laisser là. J'arrive à avaler ma salive qui a pris pas mal de temps. C'est pas fini, il va falloir que je prenne un antihistaminique en plus encore aujourd'hui. Ils ont coupé les arbustes et ils devaient être en fleurs, c'est pas possible. Donc du coup, je vous laisse là, je vous dis à plus.